monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi 30 avril et aujourd'hui, enfin là en tout cas c'est cet après-midi, on est en amoureux total avec Anthony cet après-midi et aussi ce soir, donc enfin ouais, une bonne partie de la soirée. Donc du coup on va en profiter pour faire plusieurs choses ensemble, enfin on a 2-3 petites choses à voir niveau shopping. Et ce soir on se fait un petit resto et normalement un ciné dans la foulée. Ça fait vraiment très longtemps qu'on ne s'est pas fait un temps comme ça tous les deux. D'habitude on va tout le temps au ciné avec les enfants. Mais ça fait du bien aussi de temps en temps de se retrouver en couple, voilà. Donc bah c'est parti. En premier on vous emmène avec nous, on va faire un petit peu de shopping. J'ai plusieurs choses à acheter pour une vidéo d'astuces. Donc c'est parti, on y va et on vous emmène avec nous. Bon, on sort de Pickwick Toys, j'ai trouvé ma casquette, celle-ci, et c'était la seule couleur qu'il y avait. Donc Anthony... Et heureusement j'étais là. Ouais, heureusement parce qu'elle était tout en haut. Donc on va voir. Et bah voilà, la casquette rose. Code barre en dessous par contre. Ah oui, code barre. C'est mieux le code barre, non? Non mais elle est pas mal comme ça en rose, j'aime bien. Bon bah du coup Anthony on va aller chercher la tienne. On a fait un saut à Kiabi parce qu'à Decathlon il n'y avait pas de casquette. Et on a appelé Footlockers et ils en ont, donc on ira à Footlockers. Et donc là on cherche un jogging pour Arthur. Mais Arthur ça va pas être là du coup? Non, ça va être plus loin. Ouais, on va peut-être aller voir pour cet été. Ah oui, il va falloir qu'on prenne pas mal de shorts pour l'été là, pour les vacances. Ouais, faut qu'on regarde ça. Mais là j'ai vu un pantalon, non si celui-là je vais te le prendre. Victor il aime bien les pantalons comme ça là. Et ils ont pas mal de choix, en plus à 8€ c'est intéressant. Peut-être prendre un pantalon comme ça, le vert il est très beau. En quelle taille? C'est toujours compliqué avec les enfants, je me perds tout le temps dans les tailles. Victor on lui prend quoi, du 7 ans? Non du 8 ans Victor. Il n'y a pas 8 ans. Ah si c'est là 8 ans. Non, Victor, faut les prendre du 8 ans. Ouais, du 8 ans. 8 ans ouais. En vert comme ça ou une autre couleur? Il a déjà un vert comme ça. Il a déjà un vert. Ah oui, il en a déjà un vert. Bah, ou le marron, il est beau le marron. Là, il est beau sûr. Là, c'est quoi? C'est du 9 ans? 9 ans? Faut qu'on trouve du 8 ans. Allez, 8 ans. Allez, go. On prend le 8 ans. Il est très beau celui-là. Voilà. Un petit peu de solde, enfin de promo. Ouais, il y a pas mal de trucs en jogging là, regarde. Ah ouais, c'est. Mais je faut regarder au niveau de la taille. 12 ans. 12 ans, celui-là ouais. On vient de faire un saut à. Un saut. À boulanger. Il me fallait à nouveau. Pas un trépied, mais un. Comment ça s'appelle? Une perche, mais plus petite. Bon, celui-ci, il fait. 82 cm. Il fait quoi? Il fait perche et trépied. Bon, voilà, moi je vais l'utiliser surtout pour la perche, mais il est vraiment top parce que ma perche actuelle elle est 10 fois trop longue et du coup je passe pas inaperçue et j'aime pas sortir la perche à chaque fois, c'est compliqué. Donc là au moins j'aurai la bonne taille. On fonce à Gosport parce qu'on a vu que sur leur site internet il y avait des casquettes. Donc bah voilà, c'est parti, go, on y va. Bon, c'est bon, je viens de mettre la nouvelle perche et on arrive aux casquettes. Anthony il est content, je peux plus lui parler là. Ah franchement elles sont super belles. Il y a toutes les casquettes là. Franchement elles sont belles. Oh non. Ah non, en violet en plus. Ah. Il y a même du rose clair. Même du rose clair. Je suis d'accord. Oui, elle est là, c'est pour toi. Ouais, elles sont, franchement elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. 24. Je sais pas. Ouais. Je l'ai payé un peu moins cher moi à Toys R Us. 22, celle-là là combien? 22. Pour un 22. Bon, tu veux laquelle alors? Bon, j'aime bien la belle. Ah, il y avait la Bordeaux là, regarde. J'ai vu la belle la Bordeaux. T'en as par là aussi. Hein. T'as la. Ah, t'es pas mal, t'as la belle aussi, j'aime bien, elle est stylée. Ouais, la orange elle est belle. Elle est. T'as la rouge qui est pas mal aussi. Que vas-tu prendre? Que vas-tu prendre? Celle-là elle est belle, la marron aussi. Ouais, mais c'est pas. J'ai pris une. Un bob. C'est un bob. Bon. T'as pris quoi? J'ai pris une casquette. On n'a pas pris une, il en a pris deux. Une comme ça. Voilà. Et l'autre? Une comme ça. C'est quoi? C'est Buffalo, c'est ça? Buffalo, ouais. Buffalo Grill? Buffalo Grill, c'est ça. Et moi, du coup, j'ai pris. J'en ai pris une. La grise. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas. Voilà. Parce qu'elle a copié. Elle a copié. Ouais, elle est qu'elle copie. C'est à cause de lui, ça. Il me. Moi, je suis pas quelqu'un de dépensier de base. Non, bah non, trop pas. C'est toi, en fait. Ah, moi, j'en ai pris deux, là. Toi, t'en avais pris qu'une. Fallait que t'en prennes une pour en avoir deux. Bah oui, non, mais c'est parce que j'ai craqué. Copieuse. Magnifique. Franchement. Nickel, nickel, nickel. Bon, allez, on décolle.
On décolle. Ouais, la violette, elle était... Ah ouais, la violette, elle était magnifique. C'est vrai, elle est plus belle, je crois. Mais j'ai fait un choix, voilà, en tant que personne raisonnable. Et non dépensière. J'ai non, fait un bah choix. Non. Donc là, on continue. En fait, on doit aller acheter des choses pour les... ma vidéo d'astuces. Je n'ai même pas du tout acheté pour l'instant. Non, bah non, parce que pour l'instant, tu dépenses pour... à... Non. Tu te fais plaisir. Ah, te fais plaisir. On en parle de tes casquettes, là qui vont... hein. À la base, j'ai pour moi. Ouais. On en parle des deux casquettes qui sont pas pour mais toi. Mais moi, c'est d'utilité publique. Ouais, ça, ça... Coup, je vais dans ma... Au moins, j'aurai pas de coup de soleil, tout ça, ça sera. Ouais, c'est ça, de coup de soleil. Ouais. Donc là, on va récupérer les articles pour la vidéo d'astuces. Bon, et... on arrive à la maison, je vais vous montrer ce qu'on a pris à Kiabi. Alors, donc, j'ai trouvé, enfin, on a trouvé, même Anthony. Anthony, t'es là? Oui, je suis là. On a trouvé un bob comme ça pour William. C'est un bob Jurassic Park. Donc là, il va être trop content avec ça. Et il est réversible ce bob, donc du coup vous pouvez mettre aussi en mode comme ça vert ou avec les dinosaures comme ça, ça va être parfait même pour les vacances, ça va être juste parfait parfait. J'ai pris des petites chaussettes comme ceci pour moi pour mettre avec les baskets. On a trouvé des petites baskets comme ceci pour William, normalement ça devrait lui aller, on a pris en taille 30, normalement c'est bon. Elles sont toutes mignonnes avec les petits scratchs devant. Anthony a pris un jean comme ça. J'ai trouvé pour Anthony ce t-shirt Marrakech Morocco, il y a écrit. Donc franchement il est trop trop beau, ils font des super beaux t-shirts je trouve. Donc, du coup bah, je prends des fois ses t-shirts et il déteste ça. Donc là c'est un autre t-shirt, ah, c'est Anthony qui l'a repéré de loin, il l'a repéré. C'est un Coca-Cola, comme ça, il est super beau, je vous ai même pas dit les prix. Le jean 15€, le bob 9€ je crois, le t-shirt Morocco 6€, les chaussettes 6€. Voilà. J'ai trouvé un petit sweat comme ça pour William. Il est super mignon. Trop joli. À 5€ seulement le sweat. Donc ça valait vraiment le coup. Franchement. Un pantalon. Alors là, pour Arthur, on en a pris plusieurs joggings. Parce qu'Arthur, il adore porter des joggings. Enfin, il est trop à l'aise en jogging. Donc du coup, voilà. On lui prend souvent ce type de pantalon. Voilà, avec un petit polo, un petit t-shirt. Ça passe tout seul avec des petites baskets. Donc là, on lui a pris un comme ça, un kaki. Il va être content parce qu'il adore les joggings et il n'en a pas énormément. Donc là, je lui ai pris celui-ci en taille 12 ans. C'était moins 40%. Donc je crois qu'il est passé à 7€. Et le kaki, il était à 8€. Et celui-ci aussi était à moins 40. Et il est passé à combien celui-là? Je ne sais plus. Je crois pas. Bah pareil, 7€ et quelques. Donc après, à voir. Je pense que ça va lui aller. On a pris en taille un peu plus grande, 12 ans, parce que Arthur il grandit super vite, plus vite que ses frères. Et du coup, bah, il reste pas longtemps sur ses tailles. Donc là, le 10 ans, ça lui va quasiment plus. Donc bon, voilà. Et ensuite, on a trouvé un petit pantalon comme ça, marron, pour Victor. C'est du slim. Ça lui va vraiment bien, les pantalons slim à Victor, donc je prends souvent ça. Et un polo comme ça pour Arthur, justement pour aller avec son petit jogging. Donc là, on va pouvoir redécoller. En fait, on est repassé à la maison parce que j'ai eu un appel pour un colis, pour réceptionner un colis. Donc on est revenu, on s'est dépêché. Au final, c'est bon, on a réussi à avoir le colis. Et en même temps, ça m'a permis de déposer les affaires ici. Donc là, on redécolle pour prendre les petites choses dont j'ai besoin pour ma vidéo d'astuces. Et puis ensuite, voilà, on va se préparer gentiment pour ce soir. Voilà, voilà. Donc, on vous reprend juste après. Et heureusement, finalement, qu'on est repassé à la maison parce que j'avais oublié ma liste avec mes produits pour les astuces. C'est digne des plus grandes potions magiques. Ah, j'ai mis des codes et tout, des trucs... C'est digne des grands schtroumpfs, quoi. Ah ouais, là, je sais pas. Je sais pas si on va ressortir vivant de ces expériences... d'astuces, voilà, franchement les astuces que vous retrouverez du coup sur mon autre chaîne, voilà, les astuces ménage, hein, Anthony. C'est vrai. Donc là c'est parti, on y va maintenant, tout de suite, et ensuite on va aller au ciné du coup à quelle heure c'est déjà la séance? 18h05. Le film dure 2h30, j'espère que je vais réussir à tenir et à ne pas m'endormir. On va voir, c'est quoi le titre? Les secrets de Dumbledore, je crois, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, on va aller voir ça et ensuite on va se faire un petit resto dans la zone du ciné, dans la zone, on va zoner quoi. Anthony qui tient la perche. Attention. Derek qui tient la... On arrive où? On arrive à B&M et on va essayer de trouver des produits d'entretien qui sentent le jasmin.
Regardez les belles glacières. Oui, franchement. Ça, non, mais celle-là, elle est vraiment trop belle. Mais à quelle occasion je vais en avoir besoin? Alors, regarde, celle-là, avec de la musique sur les amis. Ah ouais, avec de la musique carrément. Ouais. Tu vas peut-être gêner les gens autour, non? Non, mais elles sont super belles ces glacières-là. Mais le problème, c'est que. Je sais pas, mais elles sont super belles. Moi, j'aime bien celle-ci. Cadeau. Bon, bah, franchement, on a. T'as celle-là. Ah, c'est. Ah ouais. Bleu, rose en moitié. Laquelle tu veux? Ouais, comme tu veux. Si, mais non, mais c'est vrai que ça peut être pratique dans la voiture si on a des trajets à faire et qu'on veut garder des boissons au frais. Ouais. Ça pourrait être pas mal, tu vois. Je trouve une utilité, mais elles sont toutes belles en fait. C'est très dur de faire un choix. Je vais pas toutes les prendre. Bah ben non. Donc laquelle tu veux? J'aime bien moi la rose et comme ça, rose et verte. Ou verte et rose. Ou bleu et rose. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal celle-là. Bleu et rose. Ou verte et rose. Non, verte et rose. Verte et rose. Bon allez, vas-y. Je prends un cadioche. Adjugé, vendu. Allez. Franchement, elle est super belle. Elles sont à 24 euros ces glacières-là, je les ai vues bien plus chères ailleurs. Oh, franchement, elle est magnifique, magnifique. Ça avec. Il y en avait en plus chez Action, mais oui, des roses. C'est pas grave, c'est des mini pains de glace, 100 ml. Comme ça, quoi? Ah oui, j'avais vu ça, le plastique, je sais pas. C'est dommage le plastique. Donc c'est là qu'on trouve la marque Fabulosa. Et là, il y a tous les désinfectants tombés de la nuit éternelle. Et vous avez tous les sprays textiles. Et celui-là, il sent super, super bon. J'ai trouvé cette marque-là. C'est une marque anglaise. Et je suis super contente. C'est Sponge. C'est des. Comment dire? C'est des microfibres ultra absorbantes. Bon, là, ils ne les vendent pas toutes seules. C'est tout le coffret. Et le produit multispray citron lavande, je l'avais déjà. Il sent super bon. Donc, franchement, je vais prendre. Parce que ça coûte super cher sur Amazon. Ouais. Ah c'est cool. Il y a tout le coffret là comme ça. Il y a de l'antibactérien dedans. Du coup là on est rentré, je me suis préparée, enfin j'ai changé de haut pour ce soir. Anthony est en train de se faire beau pour le resto. J'aurais bien aimé sushi mais là Anthony c'est pas trop son truc donc je vais arrêter de l'embêter avec ça et on va faire quelque chose de plus conventionnel on va dire. Donc là voilà il termine de se préparer, moi je vais vous montrer ce qu'on a trouvé du coup à B&M. La glacière rétro comme ça vraiment trop belle, elle est vraiment trop belle. Franchement elle est vraiment vraiment super belle. Donc elle se présente comme ça. Alors il y avait deux tailles, il y avait la petite comme ça à 24 euros, il y avait le plus grand modèle à 29 pour mettre encore plus de choses, mais nous ce sera vraiment pour mettre les boissons, voilà, si on prévoit des petites sorties comme ça, là quand il va faire un peu meilleur. J'ai trouvé aussi un vase comme ça, coquillage, ça faisait hyper longtemps que j'en voyais partout, et là j'en ai vu un, j'ai sauté dessus, il est couleur rose, enfin il est rose, ça ira bien avec la tapisserie de l'autre côté, parfaitement bien. Par contre je sais pas ce que je vais mettre comme style de fleurs à l'intérieur, peut-être bah, du coup des fleurs séchées je pense, des mini pampas peut-être ou rien à voir, peut-être des fleurs fraîches, je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous me conseillez tiens pour mettre dans ce vase coquillage. J'ai pris aussi ça, donc le fameux coffret que je vous ai montré tout à l'heure, donc à l'intérieur bah, du coup on va l'ouvrir ensemble, on va mieux voir parce que dans le magasin voilà on peut pas trop regarder. Donc il y a la fameuse microfibre comme ça qui est donc comment dire hyper absorbante, voilà, et ils font aussi des grosses éponges, c'est ça que j'avais vu sur Instagram, c'est des grosses éponges comme ça, ils les font en rose, et c'est des éponges qui sont hyper absorbantes, voilà, donc là je vais voir avec les lingettes, elles sont hygiéniques, super douces, non abrasives, et on peut les utiliser partout apparemment, donc les fenêtres, les voitures, les portes, enfin bref, un peu partout, et c'est la marque Sponge. En commentaire si vous connaissez cette marque, elle est vraiment dingue. Dedans, enfin dans le kit, vous avez un dépoussiérant qui fait briller bois, verre, métal et plastique, donc citron, lavande. Je sais pas si je vous ai bien montré. Voilà. Vous avez donc ce produit-là que je connais bien, que je connais déjà. Donc c'est pareil, c'est un citron lavande. Comme ça, c'est un multi-surface, vous pouvez l'utiliser dans votre cuisine, partout. Et il y a un mini-fab citron lavande, ah bah c'est le même que celui-ci en fait, mais format voyage. Je vais la garder, je sais déjà comment je vais la recycler celle-ci, mais voilà, ça, je l'emporterai avec moi en vacances s'il y a besoin d'astiquer un truc. Et ouais, franchement c'est pas mal, c'est dans des coffrets comme ça, c'est vraiment économique je trouve. Bah du coup on a pris ça, les mini pains de glace pour mettre dans la glacière. Voilà, à Action ils les font aussi en rose
il me semble, rose, vert, enfin dans des couleurs pastel. On est passé à la parapharmacie et j'entends beaucoup parler de cette marque là, Pin Up Secret. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette gamme là. Et là j'ai vu ça en parapharmacie, je me suis dit tiens, si c'est vendu en parapharmacie, c'est peut-être que c'est pas mal. Enfin bref, donc ça je vais tester, je vous dirai si c'est bien ou pas, je ne sais pas. Et j'ai pris une eau micellaire comme ceci, donc au lait d'anesse et à la sève d'érable de la marque Léa Nature. Voilà pour le shopping du jour. Aussi je voulais vous parler d'une grande nouvelle, je suis consultante Shogun, donc je suis super contente parce que c'est des produits que j'ai beaucoup vu circuler sur Instagram, j'en entends beaucoup parler, les produits d'entretien, surtout aussi les parfums qui ont l'air dingues. Alors je les ai pas encore testés, mais les produits d'entretien, j'en ai parlé avec Iman de la chaîne Iman World qui est consultante Shogun également et qui m'a juste bluffé, notamment les produits pour le four. Elle avait un four ultra sale, elle a nettoyé ça en quelques minutes. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette marque, qu'est-ce que c'est que ce produit, donc elle m'a expliqué, j'ai été convaincue et maintenant je suis consultante Shogun à mon tour, donc de toute façon je vous en parlerai plus en détail au fur et à mesure de mes vidéos, surtout sur l'autre chaîne je pense, sur Cleaning Forever, peut-être un petit peu sur Family Forever quand je testerai les parfums et voilà, et s'il y a des bons plans, etc. Et surtout je vous en parlerai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, c'est Family Forever avec le tiret du 8, j'ai changé, j'ai enlevé le home et j'ai mis YouTube, enfin YT, pour que ce soit un peu plus généraliste, parce que je vais aussi partager d'autres choses sur cet Instagram là, il y aura beaucoup toujours de déco, etc. Mais pas que. Donc là je vais clôturer le vlog maintenant et je vous reprends demain, du coup, pour la suite, pour notre soirée en amoureux et puis pour tout ce qu'on a à faire demain. Ça va être moins rigolo, vous allez voir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.